Et oui, parce que la France, sur le plan de la recherche fondamentale, a toujours été en pointe dans ce domaine, dont elle fait partie des leaders mondiaux sur le plan de la recherche académique. Donc ça fait 20 ans ou 30 ans que nous formons des docteurs et des ingénieurs qui sont particulièrement compétents dans le domaine, dont nous sommes très bien armés. Eh bien, il faut accompagner le mouvement qui s'est engagé ces dernières années, dans lequel les chercheurs acceptent de collaborer avec des gens qui montent des start-up, qui sont d'ailleurs très souvent d'anciens chercheurs ou d'anciens doctorants. Et je crois qu'on est dans un domaine qui est tellement de technologies de pointe et technologies avancées que seule une collaboration étroite entre les laboratoires de recherche académique et ces start-up peut aboutir à un résultat. C'est le modèle qui a été si fructueux aux États-Unis, par exemple à Stanford ou MIT, et qu'il continue à développer pour la révolution quantique. Mais je crois que la France aujourd'hui est mûre pour avoir ce modèle.